président Edgar Leblanc fils finalement sorti dans silence li. Depuis plusieurs temps, c'est premier ministre Gary Conil qui toujours parlait, président pas jamais dit rien. Tout ça, lui fait connaître qu'il y a un changement qui a soufflé sur le pays d'Haïti. Le pays a commencé à reprendre ni. En plus question à poser après déclaration ça, peuple haïtien a demandé changement ça qu'a soufflé a. Grâce c'est sous gouvernement soufflé, mais nous-mêmes dans pays a nous pas aucun vent changement qu'a soufflé. Entre-temps, qui t'a nous connaît ambassade américaine dans pays d'Haïti, yo révoqué visa conseiller président Smith Augustin. Après Nolfin cité dans corruption BNC. Bandi la konavyo vide bâton sous plusieurs moun qui te prend bâtiment pour aller vendre à Kaye. Rete là, on pral boire plus de détails avec précision sur ça qui passé dans pays d'Haïti. Pas oublier nous-mêmes, nous c'est production 59. M'a demandé pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnaliser mettre sous tout pour les n'avoir une vidéo. Pour paratil. Tendez non. Président Edgar Leblanc fils, tout ça, li sorti dans silence li. Maron qui est-ce qui force Edgar Leblanc parler? Mais l'el parler, li font gros fly. Tendez bien, amis auditeurs et auditrices. Edgar Leblanc fils, qui c'est président, conseil là, li fait connaître, depuis installation nouveau gouvernement, pays a reconnaître, m'a dit, pays a vine connaître. Plusieurs avancées. Il y a un nouveau directeur général de la police là, qui est installé et conformément à la résolution 2699 Conseil de sécurité adopté. Nous avons quitté le 2 octobre 2023. Mission multinationale d'appui et sécurité. Il commence à prendre encore 400 officiers qui étaient sous place. Et ensuite, il fait qu'on ait 600 lots qui sont venus pour compléter la force là. Il veut parler de force Kenya pour accompagner lui dans les affaires de sécurité nationale avec opération contre gang armée. Ne pour qu'à démanteler. Et puis récupérer territoire perdu, c'est ça. Et garder mon fils fait qu'on est. Et en conclusion, et tout ça qu'il fait là, il fait qu'on est. Le pays commence à s'en remettre. Ça veut dire là, pays a commencé à reprendre ni. Franchement, nouveau vent ça a soufflé sur pays a semblé c'est le gouvernement qui sorti vent ça, mais peuple haïtien poko ouais aucun changement. Parce que, je regarde ce qui passé hier là, quand le premier ministre Gary Conil débarqué dans l'hôpital général, sans coup de balle, lui courir quitter cet espace là. Je regarde les Kenya, ils courent en bas coup de balle. C'est parce que, je regarde moi-même, les gens qui courent là, moi-même, sont bonnes capes, sont bonnes lâches, les gens qui courent là, bonnes lâches. Femmes ou bien, conseiller, président, qui c'est Smith Augustin, ambassade américaine, il révoqué visa Smith Augustin. Nous connaissons Smith Augustin, non cité dans la corruption, dans la BNC, il a demandé 100 millions de gouttes pour DG BNCA, TK, toujours été dans la place. Femmes ou bien là, il a révoqué visa tout ça. Et c'est l'ambassade américaine même qui prend. Disposition ça, le prend provisoirement. Tenez bien, amis auditeurs auditrices. Femmes ou bien, c'est Valérie Nima qui confirme information ça. Ambassade américaine révoque visa, conseiller président Smith Augustin a confirmé le 29 juillet le journaliste Valérie Nima et il a souligné que l'ambassade a décidé de prendre des sanctions même si c'est yon manière provisoire contre les conseillers cités de cette affaire. Il veut parler de dossier BNC. Tenez bien, yon révoqué visa tout ça.
regardez sous écran, qui c'est Smith Augustin. Smith Augustin, tout ça, visa li révoqué, attendant que la parole là, li pap ka rentrer dans le pays États-Unis. Parce que yon révoqué. Nous t'entendons, Claude Joseph te fait connaître. Il dit, quel que soit, je sais, la supporte Smith Augustin. Et la supporte. Il demande pour qu'il y ait une enquête qui ouvre rapide, vite. Dans l'affaire si là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire là, Claude Joseph fait connaître, il a toujours marché avec Smith Augustin, qui est représentant aidé comme conseiller présidentiel. Malgré autant de l'ambassade américaine révoquer visa à toi, mais lui-même, qui c'est Claude Joseph, il fait connaître, il va suspendre, supporter Smith Augustin. On a prêté là pour nous connaître qui ça va gagner, parce que nous connaissons depuis qu'on révoque visa au monde, lui peut capter le territoire américain. Bon, c'est là qu'on a vu eux-mêmes. Pour ça, m'entendez au fait là, ça son bagay grave. Oh, pour bandit marcher bat moun, ça vraiment grave. Tendez non. Bandit la gon avion, yo kembe de bâtiment. Bandit la gon avion, lou de m'amé, yo vide bâton sous marin avec passagers pendant yo et pendant yo zak braquage sous deux bâtiments. Gen un bâtiment qui est Jésus vle avec un qui est confiance de Dieu qui t'a sorti étoiles pour alvan charbon à Kayé. Dans l'après-midi lundi 29 juillet 2024 là mettez sous ça individu yo volé tout l'argent habitant yo te poté pour aller acheter marchandises d'après ça diverses sources rapportées et journalistes yo femme ou bien chaloupe yo yo sibi attaque ça pendant y a navigué tout près Tigouave sous négatif yon tizile qui situé dans l'est la Gonave. Zak sa et n'a dit li indigné en peu citoyen tant kou et en dit amateur ou bien amateur bateau yo qui pas souhaité nos cités. Semana qui doit dire yon mot après l'argent madame Sarayo pedi fok gat kote prend contrôle voie maritime nan parce que nèg sa yo qui se bandi sérieux ka fait ça ou vle sous la mer yo fait ça ou vle sous la mer et fanzou bien ça ça son zak yo dénoncé bâtiment yo te quand même continuer voyage là malgré attaque si là malgré ouais bandi yo bat passagers yo bat marin yo volé l'argent mon te porté pour qu'aller acheter marchandise mais yo te continuer aller yo pas faire demi tout ben yo fait ça ouvlé yo bat moun yo prend l'argent yo malgré ça mon toujours aller gat côte pas gat côte sur la mer c'est bandi qui joue rôle gat côte là c'est bandi qui fait ça ouvlé sur la mer pas jeune bandi yo. Yo gen chaloupe yo, yo gen ti, yo gen yacht yo, yo vie yon sou la mer jan ou vle. Parce que konnen de nos jours, bandi yo fè deal drogue, yo fè deal bal avec zam sou la mer. Et depuis yo wè, et garde côte arrivé sou yo pété bal sou garde côte yo kouri. Je jodi la pour bandi la Gonave, yo kembe de ti bâtiments. Des bâtiments qui ont été Jésus vle avec le carré le confesse de Dieu, yo bat tout passager yo et puis yo volé l'argent mon ote poté pour te ka acheter marchandises. Bagala grave, bagala empire. En tout cas, malé rendez-vous dans prochain émission pour ka vinn kete l'autre dossier
pas oublier channel ça c'est production 69. M'a demandé pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnaliser, mettez sous tout pour les n'avoir vidéo pour pas rater. Développé pour dans un petit moment dans le pays d'Haïti, il y a une police nationale là qui baille un bilan sous état d'urgence sécurité. Nous avons sous place Steven Aristide, nous avons pour rétablir contact avec elle, pita dans le programme. Mais gros point dans l'actualité internationale là, c'est l'opposition dans le pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans l'élection qui s'est passée là dimanche qui s'est passée là. Nous avons Jean-Aubert Philippe qui a suivi de très près pour nous dossier ça. Jean-Aubert Philippe, grand pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis avec une pile réaction et surtout excepté Moscou qui lui-même tablé d'accord avec le résultat de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous et 4 personnes mourir pour Bibiti, il y a plusieurs centaines d'autres personnes que la police a arrêté, il y a 48 personnes parmi les forces de l'ordre de Turquie qui ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même lui dit, lui demande de supporter Palio, puis descendre sous béton en tout, puis contrecarrer la manifestation qu'a fait ton gouvernement. La population en Venezuela a organisé un conseil casual dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec le résultat élection qui bat le président Nicolas Maduro y a un autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix alors que l'opposition lui-même, qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro qui lui-même a ramassé entre 14 à 31% voix. Manifestant ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays. Je vole elle. Nous, à cause du président Maduro, commet génocide dans le pays. Nous devons gommer pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estime que 187 manifestations dans 20 États pays. Président dans le quartier, un quartier dans la capitale, Caracas, qui est une base chavistas et qui en faveur du gouvernement manifesté contre le résultat de l'élection. Ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement. Nous fatigués avec le gouvernement ça. Nous voulons changement. Nous voulons libre dans Venezuela. Nous voulons famine retourner ici là. Nous parlons quitter le pays encore. Dans le capital d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère, déchouqués ont sorti des fins président Hugo Chavez après institution électorale là, fin proclamé président Maduro remporté l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué garde nationale, lagué soldats yo à terre, baillé quelques coups de bâton et puis saisi motocyclette avec bicyclette yo. Ta pellicule la connaissons. Dans un message télévisé, le président Elian Nicolas Maduro mettait devant le peuple là, depuis le palais national Miraflores là, et bien il dit, le gouvernement connaît façon pour gérer la protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout le pays et il connaît qui vient pour combattre la violence. Le président Elian a déclaré que c'est un groupe extrême droite qui a chauffé tête manifestant contre le pouvoir. La communauté internationale a exprimé inquiétude après publication des résultats. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour l'électeur pendant d'y exprimer doutes sur les résultats. Ces mêmes situations nous joignent pour gouvernements étrangers, tant qu'Argentine, Mexique, Guatemala, République dominicaine, Chili. Porte-parole, secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré secrétaire général là, que toute décision a dû déboucher sur solution pacifique. Pendant qu'il lance appel à tous les leaders politiques avec support pour mettre de l'eau dans le divin et puis éviter de craser et briser. Pendant qu'il prend note sur quel sauté les leaders politiques avec la communauté internationale a gagné après publication des résultats. Département d'élection dans l'Organisation État américaine a organisé une session extraordinaire mercredi 31 juillet a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître les résultats d'élection qui dit que c'est le président Nicolas Maduro qui vainquait l'élection dimanche. Le président Maduro a déclaré il y a lundi que le système électoral Venezuela transparent qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet, nous remarquons l'opposition n'a pas voulu accepter la défaite. Mais nous croyons l'opposition a dû complimenter vainqueur élection dimanche. Jean-Philippe, VOA Creole, Washington.
Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection sérieuse et lui bat bravo pour victoire. Ça t'a considéré comme victoire. Nicolas Maduro dans l'élection qui se passe là dans le pays Venezuela. Wena Toussaint, c'est correspondant de Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024, là, réélu pour un troisième mandat consécutif dans tout pays Amérique latine, ça, Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique racine camp peuple là, attribue victoire ça à tout peuple capgoumen contre salarié impérialiste. Nous saluer extraordinaire victoire ça dans des conditions extrêmement difficiles, pour nous saluer courage peuple vénézuélien qui malgré tout ce que vous faites pour saboter processus socialiste, n'ont pas réussi à écraser. Et nous certains que pas réussi à écraser. Et nous pensons que victoire ça que le peuple vénézuélien remporte face à l'impérialisme américain, c'est une victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais opposition a contesté résultat élection saillou. Conseil national électoral, CNE, déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo à 51,2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui et puis 44,2% soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. Edmundo González Urrutia opposition dit qu'il y a une preuve que Nicolas Maduro perdu élection yo. Professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection ça était des élections frauduleuses. Et c'est offensive ça qu'on a passé aujourd'hui, hein, côté que il a utilisé tout un ensemble de médias, tout un ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout un ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, où il est capable d'essayer de délégitimer l'élection ça. Il a fait ça déjà. En 2018, l'élection présidentielle qui était au côté Maduro au pouvoir, qui était renouvelé mandat Maduro en 2018, t'as déjà fait ça, ok? Malgré le fait que t'as gagné plusieurs centaines, parce que, par exemple, face à près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente, il confirmait que c'est des élections propres, des élections qui faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit, système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde là. Les 104 reconnaissent ça. Ils souhaitaient n'importe journaliste à enquêter sur ça. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale, là, et tant que Jean-Robert Philippe se dit, dans plusieurs pays, dans l'Amérique latine, pour côté, eh ben, yo a posé question, y a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection ça pour l'aller, joignant l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne fait connaître, eh ben, lui-même, menait offensive aérienne. Mais d'abord, nous prenons dans l'actualité électorale, ici, aux États-Unis, côté Lisnon Moon, qui candidat pour Tavin et candidat pour vice-président Kamala Harris, là, eh ben, l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon liste qui gen la donne yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Ocelui. Liste candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis, te vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord, Roy Cooper, et gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, qui yon tous deux soutien dans liste là. C'est une décision qui gagne gros enjeu depuis que vice-président Kamala Harris te vin gen plus chance pour lui joindre nomination officielle Parti démocrate là pour élection novembre. Depuis tout que gen yon ti kras plus passé une semaine de ça que président Joe Biden lui-même te retiré col dans course là pour Maison Blanche. Candidat pour vice-président ka itil dans course électorale là pour balancer ticket candidat pour président. Selon façon que yon ka fait appel à yon électorat qui pillage. C'est comme ça dans le moment que Kamala Harris a réfléchi sur yon liste candidat qui surtout gen la donne garçon blanc. Roy Cooper te retiré tête li dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris. La. Il te dit dans une déclaration hier lundi, n'ap cité, moi te honoré que yon te considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour État Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, à beaucoup te parle, gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, te dit dans l'émission CBS Mornings que le pas fait partie d'un processus choix pour t'accompagner au candidat Kamala Harris dans la course électorale.
Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne li dans week-end ça et puis il te fait conversation privée avec plusieurs candidats autant que gouverneur Pennsylvania Josh Shapiro d'après sous qui habitué à appel ça yo. Gen l'autre monde qui a considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué gouverneur état Kentucky Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans état Arizona, gouverneur état Minnesota Tim Walz et secrétaire transport public là Pete Buttigieg. Candidat sa yo te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays a pour yo montrer ça que yo ka pouté dans campagne là. Secrétaire transport public là Pete Buttigieg considéré même dans parmi alliés yo comme un monde qui ta ka gen plus chance. Il te parlé avec Kamala Harris en privé sur opportunité ça. D'après des sources qui habituées à l'événement ça, secrétaire transport public te fait tout un appel à un groupe donateur qui te supporté dans présidentiel 2020. Côté que le dit que li intéressé pour ta vice-président mais tout que le pral respecter processus choix. Selon ça que source information ont dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc 2024 sont année électorale ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit, nous allons en région Moyen-Orient côté l'armée israélienne fait qu'on est que l'imminent offensive sous et zone qui gagne Hezbollah la donne surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gain détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud ville Beyrouth, capitale Liban, mardi, ciblée sale opération groupe militant Hezbollah, d'après ça, trois responsables replacés, agence sécurité pays Liban, dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là, t'es ciblée Moussin Shouker, que nous connaissons comme Fouad Shouker. États-Unis t'a imposé sanctions contre Fouad Shouker dans l'année 2015. Israël accusé monsieur d'être que les responsables pour une attaque à missile contre Mon Golanyo qui touillait 12 timoun et teenagers. Gain deux sous sécurité libanais qui dit Reuters monsieur survive attaque là. Agence nouvelle Reuters cité aux sources sécurité qui dit gagnait une dame qui mourit et puis sept autres blessés dans attaque là. Pendant ce temps, États-Unis dit qu'il va continuer poursuivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller Pipis. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste, solution diplomatique là t'a permettre civils israéliens et libanais tourner la caillou et puis vivre dans la paix et sécurité. De l'autre côté, la Russie déclarait attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, n'a pas mettre depuis Washington DC, tant que nous t'ai annoncé, nous parlons d'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, gagné police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, yon bilan sous état d'urgence sécuritaire. Nous gagnons sous place, et correspondant nous, Steven Aristil, et Steven, ça qui sorti dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belizer, bonsoir Jean-Marc Hervé Adela. Et au lieu de yon conférence, c'est un point de presse lié parce que, DGPNH là, nos mille rameaux, pas pour la question, les juste fin bail salgué pour le bail comme bilan, yo, et puis l'y aller. On nous essaye d'aller pour nous capables d'attirer attention tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important, dans ça, DGPNH là, nos mille rameaux, t'es dit aujourd'hui. Il fait un bilan sur le 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Artibonite, il y a 104 bandits qui stoppent, et dans quoi d'émission, il y a 27 bandits, quoi d'émission qui fait yon dans la commune, et yon dans la zone dans la commune, quoi des bouquets, il y a 27 bandits. Qui stoppé dans tabac, il y a un ouzi, deux fusils 12, 18 caisses et cocktail Molotov, et il y a saisi. Il y a l'autre bord pour le département Artibonite. Le fait qu'on ait la police arrêté 49 personnes, parmi eux, il y a 4 nan qui sont pour drogue avec des armes illégales. Et dans même intervention, ça, le fait qu'on ait que la police arrêté environ 65 personnes dans le département Artibonite. Il y a plusieurs nan qui sont transférés par la justice. PNH l'a saisi 19 armes. Dans le département Artibonite, il y a 7 machines qui ont confisqué, il y a 5 évadés de prison qui ont récupéré. C'est ça, nous capables de dire en gros, et puis il était passé sous dossier hier à ça qui passait dans l'hôpital général, nous capables de dire en théorie Saint-Honoré avec Monseigneur Yu. Il fait qu'on est, ça qui était passé hier, pas aucun rapport ensemble avec attaque gang.
et il fait qu'on est situation sous contrôle la police avec policiers kenyans. Yon l'autre bon, nan même point de vue ça, li et mandé population toujours sous des mariages population avec les policiers qui commencent bay résultat. Et c'est bilan ça, li bay jodi a nan point de vue nan DGPNH. Merci Steven Aristide. Steven Aristide était sous place dans l'occasion point de presse que DGPNH la baille sous état d'urgence sécuritaire. Et concernant l'incident qui arrivait hier pendant que le Premier ministre Gary Conin était dans l'hôpital général, on a bien pour nous retourner sur lui. Mais nous prenons un gros dossier, qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est dossier corruption ça. Côté conseil présidentiel a annoncé que gagne une enquête qui l'ouvre pour capable faire lumière sous scandale corruption ça qui touchait trois membres dans conseil présidentiel transition. Nous gagne sur place Yves Manuel. Pendant que tu prends la parole dans la 46e session chef l'État à gouvernement pays CARICOM, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils aborder question corruption dans BNC qui impliquait trois membres dans CPT. Monsieur Leblanc soulignait gon enquête qui l'ouvrit dans ce sens pour capable faire lumière sur scandale. Président conseil présidentiel transition de l'autre côté mettait fin à toute critique qui a joigné comme quoi l'État ignoré scandale corruption ça président BNC a dénoncé et qui impliquait trois conseillers présidentiels. Pendant temps ça, yon nan conseil Neo Smith Augustin pendant la sorti dans pays la France voyait jeter allégation ça yo comme quoi lui-même ak deux autres conseillers présidentiels ta exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver dans poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine nan dit pas gagné pour louer ak dossier ça et mandé preuve. Moi même pas gagné pour moi le gouvernement de moi non question ça. Mais qui je dis mes souliers et la répondre pour que mon qui a accusé nous yo même nous porter preuve et si on va porter preuve dans point des mesures que la loi une fois pour ça toujours dans quatre dossiers hein. Président conseil administration Banque Nationale Crédit Raoul Pierre-Louis qui te doit répondre question enquêteur ULCCO Jonay Madian mandé un report li expliquer li pa ka répondre question enquêteur ULCCO Jean ça te prévoit il mandé dans sens ça un délai une semaine pour capable préparer demande ça vini dans un moment côté dossier a suscité en pile réaction tant bon côté médias sociaux yo que médias traditionnels. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et toujours sur le même dossier, nous allons rejoindre Massia Deauville-May, qui lui-même gagne un autre développement, toujours concernant scandale, corruption, ça, dans le Conseil présidentiel transition. Dans quatre dossiers, ça, qui opposait président Conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, avec trois membres Conseil présidentiel transition, avocat qui a défendu conseiller président Emmanuel Vettilaire, M. Anel Rémy, dit pas qu'il n'y a aucune décision juridique qui est capable de prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que ils n'ont pas un agent de la fonction publique, ou qu'ils évoquent un agent, ou qu'ils blâment un agent, mais eux-mêmes aussi des hauts fonctionnaires. Est-ce des hauts fonctionnaires, seul ce qu'ils ont fait, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la haute cour de justice. Et pas de dire je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais article 4, décret pour la création du CPT, et Machado Anagad Ladan, le jour, les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président élu. C'est-à-dire, même si je retraite un président élu, qu'on s'appelle le conseiller présidentiel. Même l'homme parle d'un décret, le conseiller présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Prenez-vous le problème encore. Il n'est pas conforme à l'article 57 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, qui te prévoit pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là, devant enquêteur ULCCO, reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA, M. Sonès Saint-Louis, qui écrit directeur général ULCCA, Hans Joseph, pour demander de renvoyer l'audience à cause de pas disponible pour accompagner les clients. La coalition nationale s'y a été accord 11 septembre et 21 décembre qui votait tout si pour le bail représentant Strixissa, conseiller président Louis Girard Gilles, qui a non cité dans le scandale corruption, ça, dit parti civil n'a pas gagné argument pour prouver l'accusation. Nous ne sommes pas égalés, nous ne sommes pas imbéciles. À cause de Général Gilles,
Plusieurs juristes qui réagissent sous dossier ça fait qu'on est c'est celle une décision administrative qui est capable de prendre contre trois membres du conseil présidentiel transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé. Tant que l'on te dit là pour retourner sur l'incident qui arrivait dans la zone de l'hôpital général dans le moment que le premier ministre Guy Kony était en dedans. Nous pour aller rejoindre Steven Aristil qui a des détails. Lundi 29 juillet 2024, le Premier ministre Guy Kony a été avec lui des GPNH Tarnomil Rameau à commandant force multinationale support et sécurité à Godfrey Hunting. Pendant l'État fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant la visite, le Premier ministre Guy Kony a été accompagné par quelques journalistes CNN qui ont couvert l'activité. Dans une autre équipe communication, mission support et sécurité à Météo, il a fait qu'on est. Dans la fin interview Premier ministre, il a été tendu quelques détonations. L'agent de sécurité a été obligé de tirer pour capable faire couvertir le ministre à sortir. Dans la même note, l'équipe communication MSS a fait qu'on est. Il a été arrivé à localiser côté Bibal, il a été sorti et il a été pacifié la zone. Il a continué pour dire que l'hôpital général toujours sous contrôle de la police à contingent mission support et sécurité. Toujours dans le même communiqué, il a fait qu'on est. Pas de aucun mort ni blessé qui est enregistré, ni bon côté PNH, ni bon côté mission support et sécurité. Après l'événement, nous avons contacté quelques mon équipe communication mission support et sécurité a pour demander au qui l'est abgué l'autre contingent cap privé. Yo fait nous connaît, y a préparé pour capable recevoir nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais yo pas en mesure pour communiquer aucune date ça a fait. Steven Aristil pour VOA Creole depuis Port-au-Prince Haïti. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti côté autorité dans le pays la Jamaïque voyait tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. C'est Gadkot Okai qui te recevoir et compatriotes ça. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Ville Okai dans le département sud pays. Autorité jamaïcaine retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. Se Gadkot nan Okai ki te recevoir 35 compatriotes sa yo sou wa Okai. Kek nan depote yo te bay rezon ki te pousse yo ki te peyi ya nan kondisyon sa. Kota pou ki akwe de sityasyon pat bon, nou fon konfisa Et papa, tout comme vous avez dit, moi, possible que tu aies aidé nous dans la faculté. Ok. Mais pour nous, on va prendre un volant? Napsialé, c'est ma première fois Gadkot nan Okai recevoir haïtien autorité jamaïque yo déporté en Haïti qui t'a tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque. Compatriote haïtien sa yo qui sorti nan Ansdeno département Grand-Anse pas écarté possibilité pour reprendre la mer si situation yo pas changé. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okai. Merci Jean-Ernst Eliska ou toujours sur VOA Creole. On suivi un programme dans langue créole haïtienne et gros événement dans question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris, dans pays la France son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui s'est passé là en bas gros la pluie et avec tout sabotage qui était gain la donne, mais joie là continuer médaille a tombé bien que et haïtien pas vraiment fait belle figure. On a l'air ça plus près. Quatrième journée Jeux Olympiques Paris déroulé jodia en bas en pile chaleur après que la pluie t'ait marqué cérémonie
ouverture là. Quelques résultats dans football dans groupe BA, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans groupe CA, Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a doué qualifié pour quart de finale yo. Et puis pour Haïti, trois athlètes haïtiens déjà éliminés, Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, son total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, son total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, son total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même genre à Corée du Sud qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze, donc li en 6e position. Donc Jeux Olympiques ça qui commencé 26 juillet qui s'est passé là a fini le 11 août. Li gagne 329 compétitions, jodi a qui 30 juillet gagne 22 compétitions qui nan programme nan. Et puis dans la question classement et médaille, c'est yo parti à partir de médaille d'or. C'est ça qui fait qu'on pays tant qu'aux États-Unis qui gagne 20 médailles qui t'a supposé en premier dans le classement, mais à cause de quantité médaille d'or gagne.